Je crois que nous passons à côté du message des normes. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ce que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu ? Mon penchant consiste apparemment à tuer ce que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Ni du tien, Mimir. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit... La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus ? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère ? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya, lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Heimdall serait stupide. Non. Si Heimdall doit mourir pour qu'Atreus vive, alors Heimdall mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? Si Heimdall représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est dans mon... Dans ta nature. Bien joué, les normes. C'est mystique. Rentrons à la maison pour établir un plan. Écoute, mon frère. Avant de prendre une décision hâtive, que dirais-tu de te défouler un peu ? Je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire dans les temps. Laisse à ton esprit le temps de faire le point sur la situation. Je crois bien qu'il nous reste des affaires à régler autour du lac. Cela dit, je ne serais pas contre passer un peu de temps ailleurs qu'à Midgard. Ta décision, mon frère. Regarde, il y a des débris, des restes de la statue de Tyr, je présume. Défends la paix. Ce sont les Jotnar qui ont fabriqué ces brassards pour la statue de Tyr. Ils avaient confié cette tâche à leurs artisans les plus émérites. Tu as une bonne mémoire, Freya. Comme Tyr, les Jotnar pensaient que la défense était la meilleure des attaques. Donc, c'est ainsi qu'ils ont choisi de l'honorer. Les géants n'avaient pas tort. Une autre pierre tombale, mais celle-ci est intacte. Oui, et avec une serrure taillée pour la poignée que nous avons trouvée, comme je le craignais. Ah !
scellé. Ah!
Fais-moi plaisir, mon frère. Si tu vois encore un de ces fumiers d'esprit berserker, préserve-lui le même sort. Tu rendras service aux neuf royaumes. Ces guerriers t'ont-ils un jour causé du tort, Mimir ? Tu sembles plus agité que d'ordinaire. Je préfère ne pas remuer ces souvenirs, si ça ne te fait rien. Très bien. Prends l'épée et fichons le camp d'ici, d'accord ? De bonnes nouvelles ? Non. Ah, l'achat d'un objet hors de prix te changera peut-être les idées ? À ton service. Concernant les oracles de ton pays, dirais-tu qu'elles manipulaient les événements ? Avaient-elles leur propre motivation ? Je ne doute pas qu'elles agissaient avant tout dans leur intérêt. Mais d'après mon expérience, elles pouvaient aisément être trompées par leur propre prophétie. Mais ça suffit pour le moment. Prochaine fois. Ah.
Je n'avais jamais vu de sculpture de ce genre. J'imagine qu'elle est très ancienne. Mais où avons-nous déjà vu ce genre d'artefact ? Le tombeau de Tyr. Mon frère, quand tu as parlé d'oracles de ton pays trompés par leurs propres prophéties, tu en as personnellement fait l'expérience, n'est-ce pas ? Oui, mais nous reprendrons une autre fois. Mon frère, quand tu as parlé d'oracles de ton pays trompés par leurs propres prophéties, tu en as personnellement fait l'expérience, n'est-ce pas ? Oui. Un jour, j'ai consulté l'oracle pour apprendre comment rompre mon pacte avec Arès. Une prêtresse avait eu des visions de l'Olympe dévastée par le dieu de la guerre. Alors elle m'a aidé, dans l'intention d'affaiblir Arès et de protéger son royaume. Elle n'avait pas vu que je le tuerais et que je prendrais sa place. En fin de compte, j'ai causé la ruine qu'elle avait entrevue. Ainsi, l'oracle a elle-même provoqué le destin qu'elle entendait éviter. Voilà une situation qui me paraît familière. Ce doit être le casque de la statue de Tyr. Gagne les cœurs, pas la guerre. Tyr avait compris que le plus grand des combats visait à conquérir les cœurs et les esprits. Dommage que Tyr ne souhaite faire ni l'un ni l'autre actuellement.
rameurs. Un hommage aux conquérants. Ils construisaient de beaux bateaux, cela dit. Forge la paix, pas une guerre dorée. Bien, je crois que c'était le dernier morceau. Je doute que le reste soit intéressant. J'ai toujours admiré l'amour qu'inspirait-il. Là d'où je viens. Les dieux de la guerre ne sont pas vénérés de la sorte. Tous les dieux de la guerre ne se valent pas, mon frère. Non, en effet. Tu ne vas pas le croire, Mimir. Ce cimier est celui de Fjuturlund. Fjuturlund, tu dis ? Mais c'est là qu'est né Sigrun. Yeah!
Cet avant-poste est donc un vestige de Fjotunlund. Sigrun a grandi parmi ses gens avant de rejoindre les Valkyries. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Attention. Tu sais, mon frère, Sigrun m'a parlé du grand trésor de son royaume renfermant le butin des conquêtes de sa famille. Peut-être que cet avant-poste en abrite une partie. Ne t'a-t-elle rien dit d'autre, Mimir ? T'a-t-elle dit où ? Non, seulement que le trésor était caché.
De l'autre côté, on dirait un escalier. Voilà, l'autre escalier. Ne reste pas là! Peut-être ces runes pourront-elles nous éclairer. Quoi ? Non, elle n'a jamais parlé de... Est-ce une clé ? Je me demande quel verrou ouvre cette clé. Aucun. Elle est brisée. Pas brisée. Sans déhanche, c'est tout. Nous trouverons peut-être sa moitié.
Mimir. Sigrun. Elle en a aimé un autre. Un roi nommé Helgi. On dirait qu'ils étaient fous amoureux, mais que ses parents s'opposaient à leur union. Oh, allons, Mimir. Tu ne croyais tout de même pas avoir été son premier amour. Eh bien, je suppose que si. Quel est cet avant-poste ? Merci. Si je ne l'ai pas,
c'est que c'est inutile. Quelque chose en particulier ?